Bienvenue dans votre émission Revue Ménage. Investiguer. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, Jean 21, les versets 18 et 19, Actes 7, les versets 59 et 60, Apocalypse 14, verset 13, et Philippiens 3, les versets 8 à 11. 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Jean 21, les versets 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te signais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Acte 7, les versets 59 et 60. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Apocalypse 14, verset 13. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Philippiens 3, les versets 8 à 11. « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Oui, Ménège, quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Philippiens 1, les versets 19 à 26? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue Ménage.